Ok, c'est enfin parti après 6 heures de téléchargement. Après 6 heures de téléchargement, je sais pas ce qui s'est passé avec ma connexion. Wesh, on va enfin découvrir cette saison 8. Let's go! Wow! Comment ça marche? Vas-y, c'est bon, on sait comment ça marche. Nous, on veut ça. 0 euros! Bah, 0 V-Buck! Bah oui! Wow! Et en plus on a 100 V-Bucks. Waouh! On a 50 XP, on a 10 XP, on a un pirate, on a un ninja hybride. On a un petit livre, on a un deuxième petit livre, on a encore des XP, on a des... On a quoi là? C'est quoi ça? Ok, on a un ananas. On a du papier. Un mur. Waouh! Des V-Bucks! Gratuit! Waouh! Waouh! Il est stylé celui-là. Sauf si tu te prends un headshot en touchant ça là-haut, ou ça. À voir. Waouh, une pioche! Encore des traînées enflammées. Ouais, c'est plutôt style cartoon, j'ai l'impression. Une danse bananana. Elle est stylée. Bon, des petites émotes, du papier, de l'XP et tout ça, ok. Nous on est plutôt skin et danse, hein. Ok. Ah, celui-là il est stylé. Gardien des clés masquées. Avec le katana et tout, c'est vraiment stylé. Et une femme en dernier skin. Palier 100. Bon, bah on a fait le petit tour de ça. Défi. Waouh! Waouh! Mais écoutez, on va lancer une petite game du coup, hein. Go en solo. Découverte! Ah! Regardez ce qu'il y a là! Alors, ma théorie! Ça y ressemble fortement! Eh ouais, les gars! What the hell, man? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On est où là? C'est quoi ce bordel? Ça a changé! T'as changé! Ok, qu'est-ce qui a changé? Bah là-haut, hein. Voilà ce qui a changé. Ah, là aussi! Bon, tout ce coin-là de la map a changé, c'est pas mal, c'était un peu. Waouh! Ma théorie s'est avérée juste! Écoutez, on va aller checker ce que c'est. Bon, il y aura certainement pas tout dans cette vidéo. J'imagine. Mais en tout cas, on peut voir que, comme je le prédisais, le volcan est apparu. Voilà. Alors j'y vais. J'ai envie d'aller dans la lave en fait. Bizarrement. Tomato! Tomato, c'est encore là. Mais c'est encore là, mais c'est un peu rush quand même. Genre Tomato, ça a un peu disparu quoi. Oh my god, ces arbres, ils sont trop bien. Tomato, c'est un peu fracasse. C'est bizarre que je sois seul, non? Normalement, il devrait y avoir du monde ici. Moi, ce que les gens ont déjà testé, c'est que c'est un endroit de merde. C'est quoi ce bruit? What? C'est quoi cette boule? Ça, toujours pareil. Waouh! Mais c'est trop beau! Ah là là, Epic Games!
Ok, ah y'a toujours cette merde. Ah on est content. C'est quoi ça? Je sens qu'on peut sautiller dessus. Ah c'est vraiment stylé comme endroit. Loot Lake, ouais ça existe toujours, c'est bon. C'est quoi ça? Je suis sûr qu'on peut sauter. Olé. Et on peut... Mine God, c'est trop bien. Aïe, mine God, c'est trop bien. Ouais bah du coup on va aller vers là-haut. Hein. J'ai pas envie de me battre pour l'instant, c'est pas le principe. Le principe c'est un peu de... Voilà, de regarder la map. Essayer de checker les découvertes. Même si je pense qu'on n'aura pas tout, mais... En tout cas, ça c'est pas mal. Je sais pas si on va haut. Ouais, on va quand même assez haut. Hein. Le volcan il fait du bruit là. Ok. Je vais virer cette merde. Vas-y, on va continuer à bouger. Hein. Là, là. Ça, ça a été fait. Non, on va pas y aller du coup. Oh, la cité Inca. C'est quoi? Sunny Step. Il y a plein de tyroliennes et tout partout ici. Ok, nouvelle ville. Il y a quoi là? Putain, mais les gars, s'il vous plaît. Donnez-moi des bonnes armes, wesh. Et ouais, comme je l'avais dit. Oh! Ah, tiens donc! Epic Games? Allez, je prends ça. À moins qu'il n'y ait plus de bullet drop, mais. Si, si. Mais toujours. Epic Games? Ça ressemble drôlement à un autre jeu, ça, non? De ce que j'ai pu voir, en tout cas, du concurrent. Là! Regardez! Là! Ah! Petit ajout qui ressemble drôlement au concurrent actuel. Non, je ne dirai rien. Ah, le bout du pompe. Je vais essayer d'aller dans le volcan, dans la lave. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée. Vraiment? Ouais, je ne sais pas. Bon, du cas, ouais, Wellingwood. Finito. Finito Wellingwood. Je sais pas si on, si la lave nous one shot ou pas. On sait rien. Si on peut marcher dessus. Ah non. On peut pas. Ah bah bah bah. Ok. Bon ça c'est pas... C'est pas la mort. Oh niveau shield, il s'est passé quoi là? Il n'y en a plus? Ok, c'est pas mal les petits geysers là, ça se tape ça? Non. Les petits geysers. Mais vraiment pas mal du tout. Pour se déplacer et tout, une nouvelle idée. Ah, et du coup les avions. J'ai pas regardé. Parce qu'il paraît, il n'y en avait plus. Oublié de sauter. Où est-ce qu'il peut y en avoir? Que okay, c'est moi qui l'ai fait. J'ai toujours pas trop de shield hein, quand même. Je tiens à le dire. Là je suis déjà passé par là. Hein. Ah c'est... Franchement c'est super beau. GG guys. Ah c'est vraiment pas mal. Hein. C'est joli ce qu'ils ont fait. Ok, lance comme ça. Il y a plein de trucs à découvrir évidemment. Hein. Ça sera pas, on verra pas tout. Ça ne sera pas exhaustif comme on dit, guys. Le mot, le vrai mot. Utilisons les mots. Y a quoi là? Faut danser? Ouais. Y a un mec là. Il passait où?
Il avait un overboard lui en tout cas. Oh ça c'est les bruits des pompes. J'ai ninja wesh. Oh, attends, faut cramer tout mon build. L'air elle fait un nouveau bruit là non? Arrêtez-vous! Est-ce qu'il y a des nouveaux endroits? On va essayer de checker là où il y a les avions. Vas-y go survivre! What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai toujours pas le shield hein, je tiens à le dire. Vas-y. Non. Non. Mais non. Salaud. Ok donc on continue le... la découverte de la map. Alors je vais vous montrer d'abord un endroit qui est vraiment pas mal. Je pense là pour les tournois et tout ça va y aller là-bas, c'est du full tryhard. Samir. Ensuite je vous montrerai d'autres choses, j'ai fait plusieurs games depuis pour essayer de pas trop vous dire de la merde quoi, c'est un peu mieux. On va essayer 2-3 trucs dans cette game si on y arrive, pas se faire buter avant. Parce que là, pour être sincère, aujourd'hui les gars, le niveau n'y est tout simplement pas. Ouais je suis, aujourd'hui je suis full pourri. Regardez, même pas faire ça. Alors ici c'est vraiment... Il y a au taquet de loot. Il y a au taquet de... De ressources. Alors ça tout à l'heure je l'ai pété. Faut attention. Si vous mettez un escalier ça le casse. Et il y a aussi au taquet de déplacement possible. Ouais qu'est-ce qui se passe là? Mais wesh! Le Bloom! Regardez! Ils ont changé un truc, c'est pas possible! C'est quoi ce bordel? Vous avez vu quand même! Donc, ouais, donc vous voyez, hein, vraiment niveau stuff, c'est la folie! Je disais, il y a un taquet de. D'objets pour se déplacer, il y a des quads. Il y a évidemment. Des overboards. Après pour faire des rotates aussi il y a les geysers qui entourent toute la zone vers là tout ça. Bon du coup il y a eu d'autres ajouts. Il y a eu le ping. Voilà c'est un très bon ping. Efficace, utile on va dire. Wesh. Il y a eu ça. Pinguer les armes. Voilà si vous avez des potes qui ont du mal à trouver les armes. Peut être utile. Enfin des cols. Alors va bouger. Du coup, effectivement, il n'y a plus d'avion aussi. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Je reviens à ma vidéo précédente, les gars. On vient au Mordor. Déjà ça ressemble beaucoup au Mordor bizarrement. Oh, allez. Ah, on peut pas descendre. Merde. Allez. Et voici ici, les gars, le trône, je pense. Non, 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 lâche-moi. Ouais, du coup, voilà, ça, c'est le trône du prisonnier. Donc, dans le volcan, comme prévu, qui se trouve ici, comme prévu. Et ouais, je pense qu'il va y avoir vraiment une histoire entre ici le feu et ici la glace. Vous voyez, c'est des coins opposés de la map. Vraiment ça va donner quelque chose d'histoire. Je pense. Je vais aller tester autre chose. Aussi une petite nouveauté qu'on peut trouver ici. Ça c'est vraiment sympathique. Pareil pour bouger dans les zones et tout.
Bon, je l'avais pas encore visité celui-là. Il y a une mission à faire visiblement. C'est les forts de pirates là. Wesh! Voilà, on peut faire ça. Lol. Je vais vous montrer avant de die. Je vous dis aujourd'hui, je suis pas. Il y a deux mecs sur moi. Okay. Voilà, avec le bloom, laisse tomber. Hein. Ah, c'est le volcan qui bouge, je crois que c'était un avion. Le traumatisme. Vas-y, j'ai pas pu vous le montrer bien là. Fais chier lui. Bah vous avez compris hein, comment ça marche à peu près. Allez. Alors je sais pas si on le voit. Ouais voilà aussi il y a ça, la nouveauté. Ouais. J'avais pensé. C'est les drops qui apparaissent maintenant sur. Sur la map, ça c'est un bon truc. Comme ça tu sais directement s'il est en zone, s'il est pas en zone. Ça c'est vraiment un bon truc quoi. Oh. On peut plus accroupi debout. On peut plus faire ça. Ok. Tu vas me dire. C'est pas très grave hein. Attendez. Ça je l'avais dit. Je me suis dit ouais bah du coup cet endroit là. C'était un teasing qui aurait servi à rien. Mais en fin de compte il est toujours là. Alors ça c'est une bonne découverte parce que je me suis dit ouais du coup c'est bon, il n'y a plus Wellingwood et ce machin qui restait ad vitam aeternam fermé. Oh il y a un truc de pirate là-bas. Il y a un drop aussi. Ok là vous voyez c'est cool, on voit direct sur la map où est-ce qu'il est. Oh alléluia. Et avec un peu de chance, faut, qui sait, peut-être qu'on va toper. Je suis bien là. Caché derrière mon arbre. Il a eu. Et je meurs de chute. Oh là là. Bon. C'est pas grave. C'était une. Il a un kill. Ah non, il y en a 8. C'est moi qui en ai qu'un. Bon, en tout cas, voilà la. La nouvelle mage. Est plutôt pas mal. Ma foi, après, il y a quelques petits trucs à corriger, je pense, sur le bruit des armes. Ça fait des bruits bizarres quand on met des tout-taps ou des trucs comme ça. C'est un peu chelou. On va voir par la suite, ça va être corrigé. Le bruit des pas aussi a beaucoup changé sur, par rapport au matériau que le joueur ennemi traverse. Donc, bah, écoutez, on va voir ce que ça va donner par la suite, l'évolution par rapport au volcan et tout. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, plutôt pas mal tout ça. Ma foi, moi, je suis content de ce qui s'est passé dans Fortnite aujourd'hui. Bon, les gars, sur ce, je vous dis tchouz. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao guys!